J'ai eu le plaisir d'essayer une Mazda 6 il y a quelques années et j'ai été agréablement surpris. C'est une belle voiture, très bonne tenue de route et la consommation d'essence, elle est vraiment parfaite. Est-ce qu'elle s'est améliorée avec les années? Je peux vous dire que oui. Regardez ce que les gens de Mazda ont fait. Ils ont ajouté cette calandre qu'on a empruntée à la CX-5. Je vous présente le modèle de la Mazda 6 2016. La Mazda 6 peut être considérée comme une voiture pour la famille, puisqu'on peut y asseoir 5 personnes. Et regardez-moi l'espace à l'intérieur de cette caisse. Vraiment très impressionnant. Parmi les nouveautés de Mazda cette année, regardez l'enjoliveur avec reflets métalliques. On retrouve également 5 sièges chauffants. Vous allez remarquer tout comme moi que l'intérieur de cette Mazda 6, ça donne un look assez luxueux avec entre autres cet intérieur brun en cuir recouvert de vinyle noir. Avant de partir sur la route, pourquoi pas se mettre à l'aise et ouvrir le toit ouvrant. Maintenant que je suis revenu à une vitesse un peu plus normale, à 110 km/h, je vais vous parler de l'intérieur. C'est un système de climatisation bison, donc chaque passager à l'avant aura droit au confort qu'il désire, avec entre autres ce magnifique système. Système de divertissement également très bien conçu, il a été emprunté à la Mazda 3 et importé dans la Mazda 6, ce qui fait qu'on a un très très bon système de divertissement. Mazda a profité du Salon de l'Auto de Los Angeles pour dévoiler une version remaniée de sa Mazda 6 de 3e génération. Les changements sont minimes, on remarque une calandre retravaillée, similaire à celui du nouveau CX-5, un moteur de 4 cylindres, 2,5 litres, 16 soupapes. À cela viennent s'ajouter des performances adéquates. 184 chevaux, ce n'est pas une sportive, même qu'elle aurait peut-être besoin de une ou deux vitesses supplémentaires. Malgré tout, elle demeure démesurément ferme. Le freinage est progressif et résiste bien à la surchauffe. Mentionnons qu'il s'agit d'une auto qui est agréable à conduire, que ce soit en ville ou sur l'autoroute, ou encore sur une route parsemée de courbes. Parmi les désavantages, mentionnons le prix de vente de cette Mazda 6 qui va certainement ralentir quelques-uns à partir de 26 390 $. Parlons maintenant des garanties. Garantie de base, elle est de 3 ans, kilométrage illimité. Et sur le groupe motopropulseur, 5 ans, kilométrage illimité. Il y a 3 ans, la Mazda 6 gagnait le titre de voiture de l'année et en 2016, laissez-moi vous dire qu'elle ne sera vraiment pas loin. Mis à part le prix, rien ne pourrait vous empêcher de vous procurer une Mazda 6.